parole, Seigneur, ne retourne pas à toi sans avoir accompli des effets dans nos vies. Nous avons vu et entendu les grandes choses que Dieu a accomplies dans la vie de cet homme, une vie sanctifiée. Quand l'amour de Dieu s'élance, s'élance dans la nature et redonne la vie à un poisson qui n'y vaut rien. Mais tous ces témoignages ne servent pas à me rendre historien. Nous qui avons entendu le Seigneur Jésus-Christ nous parler au travers les bandes magnétiques et frère Branham nous dit: si nous sommes ambassadeurs, si nous sommes ambassadeurs des dieux sur la terre, tout ce qui est Dieu, toute sa puissance, tous ses anges sont derrière nos paroles. Alors que j'ai dégagé en moi cette atmosphère de Dieu, Zoé, cette vie de Dieu, Zoé, cette vie de Dieu, oh, cette vie de Dieu dans l'homme, oh, elle s'écouera son entourage, elle refoulera tout ce qui essuyait, vit ta propre vie en moi. Que cela apporte la vie, Zoé. Que cela accorde-moi la vie éternelle. Que cela transforme ma vie, oh Seigneur. Que cela change ma vie, Seigneur. Que cela transforme ma vie, Jésus. Zoé. Cet âge, mon âme aussi s'approche pour puiser de cette source, car je sais que chaque promesse est la mienne, que je m'élève et que je la possède. Alors si l'amour produira un feu dans mon âme, alors si l'amour produira la vie de Dieu en moi, Zoé.
bâtira ton ministère. Cette vie de Dieu fera de toi ambassadeur. Ambassadeur veut dire représentant, représentant de Dieu sur la terre. Non pas par des illusions, mais une réalité. Pas des imaginations, mais vraiment une conviction, Seigneur, que ce message s'invite en moi. Oh, que ce message s'invite en moi. Que le monde puisse trouver Jésus-Christ en moi. Que je sois une attraction, un appât pour l'évangile. Que je sois une attraction, déborde dans mon cœur.